Bonjour mes amis, bienvenue sur ton chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora et la radio Puissance Max. Dommage pour mon KT pour notre mardi. Il me manque que le 15 dans le KT, mais celui-là il fallait le trouver, j'ai bien le 7. Bon, coup de cœur qui gagne la course, vous avez vu qu'en ce moment mes coups de cœur sont pas si mal que cela. Bon, cheval du jour prend la 5e place. Bon, coup de poker termine à la 4e place. Et ma 5e base, le 9 est là. Et je me répète, pas bah, le 15, il sort de nulle part celui-là. Mais c'est normal, hein, c'est des courses de haute tête. Donc, des fois, bah, y a un gros outsider, comme on l'a vu aujourd'hui, qui s'immisce à l'arrivée. Donc, voilà. Pour notre mercredi 26 octobre, notre KT aura lieu sur l'hippodrome de Anguin. Conditions de course 16 au départ, réunion 1, course 1, distance 2150 mètres, départ avec l'aide de l'autostart, c'est toujours très important. Je me répète peut-être à chaque fois, mais avoir un bon numéro derrière la voiture, ça aide énormément. J'ai fait ma sélection et après, ben, j'ai des regrets, mais voilà, en ce moment, ben, le KT nous échappe pour rien encore comme aujourd'hui. Donc en ce moment, ben, on fait le dos rond, hein, il y aura des jours meilleurs, mes amis, n'est-ce pas? J'ai placé en tête de ma sélection le 6, Chandelle. Mon cheval du jour pour ce KT, elle a le droit de venir prendre une très belle place parce qu'elle est plutôt pas mal en ce moment et elle vient de prendre une belle deuxième place. Donc dans le KT, j'y crois beaucoup. Après la gagne, ça va se jouer à très peu de choses. Je lui oppose le 16. Benvuto part. Même si ce cheval démarre à la deuxième ligne derrière l'autostar, il a largement les capacités de venir prendre une belle place dans ce KT, de finir dans la bonne combinaison gagnante. Le 1, Hubble Duvier. Ce cheval n'est jamais sorti des... pratiquement des 5 premiers de la course, donc j'y crois beaucoup. Mon très joli coup de cœur pour notre mercredi sera le 5, Ulysse Digio, vient de gagner sa course dernièrement, donc attention pour une confirmation de sa part. Mes 4 bases, le 6, le 16, le 1 et le 5. Le 2, Hector de Bazière. Peut venir prendre une très belle place. Le 3, Adol du Palma, sera mon coup de folie pour ce KT. Je termine ma sélection par le 11, Barolo Rock, qui sera mon coup de poker. En cas de non partant, le 14, qui sera mon très gros regret. Mon cheval du jour, le 6, mais de base, le 6, c'est le 16. Mon très joli coup de cœur, le 5, mon coup de folie, le 3, et mon coup de poker, le 11. Mes 2 sur 4, le 6, le 16 et le 1, mes couplets gagnants placés, le 6, le 16 et le 1 et le 5. Je répète ma sélection, le 6, le 16, le 1, le 5, le 2, le 3 et le 11. Voilà, sont déterminés pour mon pronostic pour notre mercredi. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio RDC.fr. Allez faire aussi un tour sur mes autres liens partenaires. Attention encore à KT qui ne va pas être... facile du tout à trouver, faites très attention de ce côté-là, parce que vous le savez qu'en ce moment, les quintés, c'est pas facile du tout. Donc voilà, merci pour les commentaires que je reçois sur ma chaîne YouTube, cela me fait très plaisir, bien sûr. Alors, en tout cas, à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon des courses.